La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8h-9h, Réveil Média, animé par Nicolas Nado, tous les jours sur Radio VL. Cette semaine, on reçoit Moussier Tombola, il est là, Moussier Tombola. Salut. Comment ça va? Personne ne me voit, mais je suis là. Alors pour commencer, on va s'écouter cette petite audio clin d'œil, c'est un souvenir de ta carrière. Romain va poser une question à notre équipe, eux seuls vont répondre, toi c'est sûr que tu connais la réponse. Okay. Et cette bonne réponse va donner lieu à ce son. Alors, Moussier Tombola est un chanteur reconnu, un humoriste avéré, mais aussi, à notre âge, on le sait peut-être moins, un chroniqueur télé sur Gulli, dans le Gulli Live le week-end. Et pendant l'émission, il doit faire toutes sortes de défis, dont un notamment qui s'appelle le Smoothie Challenge. Alors, à votre avis, c'est en fait le concept est de mélanger plein de trucs et d'en faire un smoothie pour ensuite Toi, tu dis smoothie, c'est donc. Ouais, moi j'ai. À quel moment c'est comment c'est super dur. À quel moment ça se dit alors smoothie. À quel moment tu vois un F, mec? TH en anglais, c'est smoothie. Smoothie. Enfin, moi je rigole, mais j'aurais peut-être dit la même chose. Bref. C'est trop mignon. À votre avis, dans l'extrait que je vais passer, qu'est-ce que met Moussier Tombola dans son smoothie? Est-ce que c'est un combo 4 quarts ravioli Nesquik fromage de chèvre? Est-ce que c'est un milkshake fraise avec du jus de chaussette du présentateur? Ou est-ce que c'est un autre combo avec 3 sandwichs, un de chez McDo, un de Quick et un de Burger King? On écoute tout de suite la bonne réponse. Écoute. Alors salut les loulous, moi c'est Moussier, je suis avec mes deux loulous qui s'appellent Swan et Léo. On prend les 4 quarts, on les met au fond. On va prendre un peu d'eau parce que c'est un peu sec à mon goût. Maintenant on va rajouter du citron. Swan, est-ce que tu peux mettre 3 raviolis? Oui. J'en mets 3. On enchaîne avec le Nesquik, 3 bonnes cuillères, oui tu vas, n'hésite pas. C'est bon le fromage de chèvre. Le fromage de chèvre est terminé. J'adore les enfants. Oui. Mais moi je bois ça tous les jours, donne-moi un verre, regarde. Moi ça c'est pas un problème, tous les matins je me fais ce mix. Et voilà. Et tu te fais ça tous les matins. Dans la suite de la vidéo, bien sûr, il boit ça, les enfants boivent ça. Et il vomit, je crois qu'il recrache directement. Je vomis dans mon propre verre. Je rebois. Un très bel enchaînement avec Gulli, puisqu'on te retrouve justement. Sympa. Sympa pour Gulli. Non, puisqu'on retrouve Moussier Tombola à la tête de l'émission Safarigo, et c'est sur la chaîne Gulli Africa. Exact. Et cette émission, c'est une sorte de Koh-Lanta où t'as deux parents et deux enfants qui s'affrontent à travers un jeu d'aventure au milieu de la savane. Là, au niveau des tournages, là, c'est complètement bouclé. Ça y est, on a terminé. Complètement. J'ai décollé le 31, je suis arrivé le 1er, on a tourné le 2, 3, je suis rentré le 4. Puis dans la savane, ça devait être cool quand même. Mais de te tourner ça. C'était ouf. C'est-à-dire qu'on avait un hôtel, j'ouvre mes rideaux et je vois des zèbres, mais réellement. Et c'est-à-dire que en France, t'as des, t'as des pigeons. Moi, j'avais des zèbres devant moi. Donc j'ai refermé le rideau, j'ai dit, je suis pas bien réveillé. Et j'ouvre et c'était réellement une famille de zèbres qui était en train de bouffer de l'herbe. Et t'es également en préparation d'un spectacle pour les enfants. Ouais. Je m'intéresse aux mômes. Enfin, façon de parler. On avait compris, t'inquiète. On embrasse Jean-Luc Lay. Et Jean-Marc Morandini. Ça coupe au montage. Et Émile Louis qui est le parrain. Ça va pas, non? Et on peut dire qu'en 2009, c'est vraiment l'année du buzz, hein, de la réussite. Celle où tu t'es fait connaître du grand public grâce à ton titre Logo Bitombo. Tu la publies sur Internet et ça explose avec des millions de vues en très peu de temps. Comment t'as réagi là? C'était la vraie surprise. Et même encore, je comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre. J'ai juste fait Sean Paul. Ouais, ça, j'ai pas compris. Mais c'est réellement ça l'histoire. C'est que je suis parti d'un pari avec une pote. Je lui dis, en fait, on était sur la route. En voiture et on écoutait du coupé décalé. Mmh. Moi, je supportais pas ça à l'époque, ça me rendait fou. Et maintenant? Pareil. Comme tu disais à l'époque. Et je lui ai dit, tu vas voir un jour, je vais te pondre une chanson nulle avec une chorégraphie nulle. Et dès le soir même, je suis parti en studio, réellement, j'ai composé la chanson et j'ai jamais écrit les paroles. En même temps, c'est pas si compliqué. Mais j'ai jamais écrit les paroles. Je suis passé directement derrière le micro et je sortais plein de conneries. Ouais. Et je gardais ce que je voulais. Et au final, ça a donné. T'as publié ça sur Internet et puis le buzz total. C'est ça. Il y en a même qui ont repris, qui ont fait plein de parodies d'un coup. Il y en a eu plein. Ça t'a un peu fait peur, cette notoriété soudaine, là, que tout le monde reprenne ton travail. Tu t'es dit, waouh, la force d'Internet, quand même. La force d'Internet, et c'est flippant aussi. Voilà. Bah, surtout à partir d'un truc que t'as écrit comme ça. C'est ça. Un truc dont tu t'attendais pas que ça buzzait. Et j'étais chez moi, je me souviens, un soir, j'étais en train de dormir, tout simplement, et un pote m'appelle.
Il était en boîte. Ah, écoute, écoute, ils sont en train de passer ton sang en boîte. J'ai raccroché. Aujourd'hui, tu préfères Internet à la télé. Mais je ne regarde plus la télé, ouais. À part BFM, juste pour voir ce qui se passe. T'es animateur télé, c'est ça hein Mais souvent, les animateurs télé regardent même pas la télé. Non, c'est clair, hein. C'est clair. Non, non, mais... Je regarde pas du tout. Et... Refais-la, je regarde BFM et Gulli. Refais-la. On peut faire un montage. Alors, je regarde BFM TV et Gulli. Gulli Africa. Pour les dessins animés. Surtout Gulli Africa que j'adore par-dessus tout. Non, pour moi, Internet, c'est une très très grosse force. Tiens, on va faire d'autres petites questions pour te connaître différemment. Ça me va. Si tu pouvais aller dans un autre corps, à qui aimerais-tu ressembler? Pierre Bénichou. Il est très chaud. Quel est le péché mignon que tu n'oses pas avouer? Le sucre. Le sucre. Tu manges beaucoup de sucre? J'aime beaucoup le sucre. J'aime beaucoup la poudre blanche. En direct sur Gulli Africa. Bonjour les enfants. Où te vois-tu en 2030? Wow, en 2030. C'est pas si loin. La Domino's Pizza. En 2030, je me vois. J'espère que la mozza crust existe toujours en 2030. Ta belle mozza crust. Je me vois dans un. À l'Élysée. Non, même pas. Je me vois dans la nature avec un cheval et avec mon fils. D'accord. Ah ouais. Et niveau carrière, tu te vois où? Trip chelou. Niveau carrière. Ouais. Sur une licorne. J'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien être animateur télé. Et ben en tout cas, Moussier Tombola, tu restes avec nous tout au long de l'émission pour non, participer. Non, je me casse. À nos rubriques. Tiens, quant à nous, Alexandre, qu'est-ce qu'on va s'écouter? Putain, j'étais sûr que ça allait être pour ma pomme. On va juste. Bon, c'est pas très difficile. Oh si, je vais me planter. Bruno Mars. Ouais. Et bah il chante.